Russell découvre le karaté, sport d'origine japonaise. Il s'agit réellement d'exercices de combat. Poussés à leur fin logique, les coups seraient mortels. Le sport, tel qu'il est pratiqué sous la conduite de deux moniteurs belges diplômés après un stage de 6 mois chez le maître japonais Oshima, exige une grande finesse d'exécution pour arrêter à point les mouvements. Mains, pieds, genoux, coudes et jambes sont utilisés tour à tour en ressources naturelles du corps pour la défense comme pour l'attaque. L'entraînement fait la plus large place au développement de la concentration d'esprit et au pouvoir de pénétration de la pensée. Les deux sont indispensables à l'exécution des gestes du plus terrible des sports de combat, même s'il attire le sexe dit faible. La devise du karaté, dominer, discipliner son corps et son esprit pour dominer les autres moralement et physiquement. L'association belge du karaté a si bien progressé en 3 ans que les 3 champions japonais toutes catégories ont tenu à honorer ses membres de démonstrations magistrales. En ce sport de combat, les coups poussés à leur fin logique seraient mortels et l'entraînement exige une grande finesse d'exécution pour arrêter à point les mouvements. Dans cette discipline réside la valeur éducative du karaté telle qu'il est enseigné par les moniteurs de l'association belge. Sous les auspices du président de la Ligue belge de judo et du bourgmestre de Bruxelles, l'association belge de karaté a vu officiellement le jour à la Maison de la Presse. Les karatéistes du pays ont fait une démonstration de cette forme de combat à main vide, pratiquée essentiellement comme discipline sportive. Exemple d'efficacité du karaté poussé à son aboutissement logique, la rupture en main vide de planches épaisses de plus de 2 cm. Ou bien encore de tuiles superposées. Pratiqué comme un sport, le karaté exige la parfaite maîtrise de soi. Thank you.